Je trouve que nous avons fait vraiment une très bonne première mi-temps et qu'on aurait peut-être mérité de passer devant au score sur cette première mi-temps parce que on était bien disciplinés, bien organisés. On ne donnait pas de passe intérieure et on a eu deux ou trois grosses occasions qui auraient mérité mieux. Mais voilà, on revient dans cette deuxième mi-temps avec un avantage au niveau du carton rouge pris par un joueur de Nanterre. Et j'ai envie de dire que notre deuxième mi-temps doit nous donner beaucoup d'humilité parce qu'on gagne ce match avec 5 dernières minutes de folie et c'est tant mieux parce qu'à un moment donné, nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Mais tout ce qui se passe avant ça doit nous donner beaucoup d'humilité. Les entrées ont, je pense, voulu apporter quelque chose, voulu ne pas continuer dans l'état d'esprit dans lequel nous étions passés et modifier ça. Et ça, c'était ce qu'on demandait et ce qu'on cherchait, c'est capacité de réaction et ne pas laisser simplement les événements filer. Et donc oui, j'ai adoré cette fin de match avec cette folie qu'on a réussi à mettre et qui est un petit peu l'empreinte du standard.